Là, dis-moi qu'il y a un pouvoir. Semble c'est vrai. Comme si là, 9 mois après l'assassinat du président Jovenel Moïse, pour nous toujours dans la même tribulation, dans le même calvaire, pour doit un tribunal continuer à faire diversion, dans le jour qui s'est passé là, il y a 2 institutions qui impliquaient directement dans le dossier assassinat du président Jovenel Moïse, ou gagné ministère de la Justice qui gagne en tête li, Berthe Dorsey, ou gagne CSPJ, Jodian là, qui ont même finalement décidé de prendre une décision. Après gros vent panique, après un paquet parler en pile, fin fête, dans le temps, 2 institutions ça. Qui décision Berthe Dorsey avec CSPJ finalement prend là dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse? Alors ce que doyen tribunal première instance par bon côté pas lui continuer à faire diversion. On y rete là pour aller compte tout détail yo dans un petit moment. Gouvernement dominicain décidé prendre grosse sanction dans dossier corruption visa qui gagnait dans consulat dominicain yo en Haïti. Nous pral connait qui quantité consul décision ça li touché. Nous pral connait dans qui objectif jodi en la République dominicaine décider prendre sanction ça. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue ou sous Tax 509 tout haïtien connecté ou dans émission mon éditorial. C'est un grand plaisir jodi encore pour nous croiser, pour nous parler pays, pour nous faire débat. Et m'a rappelé jodi c'est vendredi qui donc week-end nan commencé. Donc on connaît le principe là déjà, pas boire sous à conduire, pas conduire sous à boire alcool, puisque deux bagages ça ou pas marcher ensemble, ou à éviter accident, ou à éviter problème, ou à éviter tracas, ou à protéger vie, et comme ça, ou à protéger entourage. M'a profité d'un grand merci parce que choisi nous pour nous informer, on choisi garder vidéo, et par-dessus tout, qu'on est ou pas hésiter, partager le travail positif qu'a fait là. Nous prenons pas les pays, nous prenons le fait débat, dans souci pour comprendre, pour connaître qui décision autorité politique, qui décision autorité l'État apprend en dedans pays. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre chaîne Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Dans qui point la justice haïtienne avec dossier assassinat président Jovenel Moïse? C'est question ça tout le monde a posé. Puisque nous connaissons 9 mois après l'assassinat, nous avons plusieurs juges d'instruction qui passent sous le dossier, il y a un juge qui désigné qui tout désisté, nous avons Gary Aurélien qui prend le dossier pendant 3 mois qui tape instruit, et finalement le Gary Aurélien dessaisi le dossier pour motif de corruption, nous venons gagner un nouveau juge désigné qui c'est Merlan Belab. Depuis le désigné Merlan Belab, c'est mars passé dans le dossier Jovenel Moïse qui t'a pas gagné responsabilité pour instruire le dossier. C'est silence radio, pas rien qui pas jamais rien qui fait instruction dossier nous constatons son instruction qui à l'arrêt. Alors que depuis le Berthe Dorsey li investi de fonction li dou que prérogative li nan agenda etc. faut gagner des personnalités tant que Jovenel Moïse, faut gagner bâtonnier Monferier Dorval, journaliste Octé Mourian, Diego Charles et Antoinette Duclé etc. faut gagner lumière qui fait sous dossier ça yo. Question détention préventive prolongée, faut bagay ça yo résoudre. Yo vini yo ba nou parole. Nèg yo vini, yo investi de fonction yo ba nou chantage. Yo fait littérature, expliquer un paquet de bagages, yo connaît très pertinemment, yo pas jamais arriver toucher, yo pas gérer parce que li pas d'intérêt pour lumière en fait sous dossier ça yo. Maintenant, moi dis nous gagner décision qui prend par bon côté des autorités en dedans pays qui concernait ministère de la Justice qui gagne en tête Berthe Dorsey, qui gagne même CSPJ là-dedans, ça qui gagne pour avec dossier assassinat président Jovenel Moïse. Puisque, ou bien un juge désigné à Merlan Belab qui lui-même, il te fait ensemble d'exigences avec exécutif là, il te fait ensemble d'exigences avec CSPJ pour le cas prendre dossier Jovenel Moïse, pour le cas instruire dossier. M'a rappelé nous, il a désigné Merlan Belab 5 mars, dans peu de temps, il n'a pas juge d'instruction encore. 3 jours là, 25 avril, tout bagay fini, mais on a bien aller. Maintenant, il y a un problème qui pose. Gros problème. Et problème, il faut que nous cherchions, il faut que nous disions qui problème qui gagne, et pour nous garder comment solution yo ka venir. Mandat juge yo pas renouvelé de manière automatique. Ça, on doit toujours connaître, on doit toujours songer. Pas bon juge mandat renouvelé automatiquement. Premier bagay là, c'est juge là qui pour écrit CSPJ pour le dire mandat pral fini et il y a un intervalle de 6 mois pour le faire. Il y a un intervalle de 6 mois pour le faire avant que mandat prend fait. Ça veut dire si mandat a fini et par exemple en juin, quoi, juin qui 6e mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin, en juin, depuis janvier ou bien depuis décembre, faut écrire CSPJ pour dire CSPJ mandat prend fait ou gagner volonté pour continuer dans la magistrature là. Ou bien volonté pour continuer faire travail comme juge, qu'on y a CSPJ lui-même qui ça le pral faire, li pral continuer processus, li pral faire procédure pour connaître est-ce que la mette non dans liste juge que le pral soumettre à exécutif là pour choisir pour renouveler mandat etc. C'est comme ça bagay là. Alors que dans article 15 qui porte article 15 de la loi portant statut des magistrats, li dou très catégoriquement, li dou 6 mois avant la fin de son mandat, le juge peut écrire au CSPJ pour en demander le renouvellement. Donc là, si le juge là, il pas fait, ça veut dire que il pas intéressé pour continuer, il pas intéressé, il pas de bonne volonté pour continuer dans et continuer le travail de juge d'instruction. Il pas intéressé pour continuer dans le pouvoir judiciaire là. Donc ou pas qu'à forcer. Ou pas qu'à forcer lui. Et non, il bien précis tout. Yo dou juge on juge qui a 65 ans ou pas qu'à renouveler mandat. Ou pas qu'à renouveler mandat on juge qui a 65 ans. Maintenant question à poser tête tout. Juge Merlan Bellade mandat t'a fini, mandat a fini 25 avril là, li pas fait li pas écrit CSPJ pour le demander pour yo renouveler mandat. Il n'a pas jamais écrit CSPJ. Donc, est-ce que le juge n'a pas bien intention de continuer à travailler comme magistrat, comme juge, ou bien tout? C'est parce que, jodi an là, nèg yo vle créer une diversion, nèg yo vle faire diversion, c'est ça que fait yo connaît. Yo connaît juge n'a pas écrit CSPJ pour demander renouvellement mandat. Yo jete dévolu yo sous juge, yo choisi Merlan Bellade comme juge pour qui ça pour créer. Pour créer comme si en situation côté que on a toujours des questions on va dire ah et nèg ça ou pas de bonne volonté pour le travail nèg ou bien juge c'est mauvaise foi etc etc et puis là on vient trouver une situation de dépendance directe de exécutif là ou trouver sous dépendance sous contrôle exécutif là pour qui ça parce que ou jeune droit à un tribunal là c'est pas connaît pas connaît que et CSP que juge pas écrit CSPJ parce que là c'est droit à un tribunal ou c'est administrateur en tribunal donc toute bagaille ça on suppose gain l'opra on va choisir Merlan Bellade faut on connaît pas comment Merlan Bellade faut on connaît qui le mandat Merlan a commencé qui le mandat Merlan a fini est-ce que Merlan le dérivé, le pral prof mandal, est-ce que 6 mois avant, il était écrit CSPJ pour le demander renouvellement? Et non, moun sa yo, que exécutif là, que Ariel Henry soit renouvelé mandat, soit reconduit ou bien soit nommé comme juge là, Merlan Bellade pat la dol. Donc si Merlan Bellade pat la dol, que on décide, que on pas décidé, répondre avec demande li aujourd'hui là, c'est nul. C'est nul. Pour qui ça? Parce que, ou trouve dans situation. OK et ou gagne et Berto Dossé avec même CSPJ yo dou OK yo prêt pour répondre avec demande avec exigence Merlan Bellade yo. Pas de problème. Cependant question visa yo mettez le de côté parce que yo pas ka bay visa. Non exécutif là yo dou non yo pas ka bay visa. Mais au million de goud Merlan Bellade demande yo chaque mois. Berto Dossé fait connaître que yo pas prêt pour yo bay 1 million de goud, mais yo a bali majorité, a bali une grande partie dans l'argent. Y a bali une grande partie dans l'argent, mais elle pas d'où exactement qui quantité à qui pas quantité dans 1 million de goud là. Yo paré pour yo mettre machine blindée à la disposition. Yo paré pour yo mettre sécurité ou bien policier à la disposition. Mais Qui ça j'aime dit? Il pas j'aime répondre aucune question qui est pour avec 5 mandats Merlan Bellablan. Il pas j'aime répondre aucune question qui est pour avec diversion ça que doyen tribunal met Bernard Saint-Ville, il choisit faire un dossier Jovenel Moïse parce que c'est doyen qui mettait nous là. On attendait toutes sortes de Ariel Henry impliqué dans l'assassinat président, ou gagne l'autre nèg qui dans pouvoir, ou gagne différentes personnalités politiques qui impliquées dans les réunions, etc. Mais tout travail qui pour faire là, c'est doyen pour faire. Parce que c'est doyen qui connaît qui est-ce qui bon juge qui gagne moralité, qui juge qui pas gagne moralité, qui juge qui facile pour corrompre, c'est lui qui connaît, puisque choix juge, c'est lui-même qui gagne responsabilité pour faire. Donc, l'autant des doyens d'où les premiers lambés la mandale pral fini là, li mette sous dossier, c'est parce que li connaît pertinemment bien. Li connaît pas jamais pas dossier Jovenel Moïse pas saute la rivière, la pas avancer qu'a fait là dans le vrai. Li connaît pertinemment bien le fait que le choisi Merlan Bellablan et que Merlan Bellablan pas manifester bonne volonté pour renouveler mandale. Il pas manifester bonne volonté pour écrire CSPJ, pour le dire CSPJ, mandat pral fini, mettez dans les juges, il a pour exécutif là, pour renouveler mandat là. Il choisit Merlan Bellablan, je dis qui est-ce qui fautif là? Qui est-ce qui fautif? Faut que nous comprenions le négio montre on boy à travail alors que en bas table c'est eux même qui a créé conditions pour dossier à pas jamais avancer. C'est eux-mêmes qui ont créé conditions pour dossier par saute l'arrivée là. Et leur dit nous qui ça a réglé au niveau de la justice haïtienne dans le dossier Jovenel Moïse. Faut qu'on ait courage pour dire rien parce que doyen dit bloquer dossier. C'est pas en question de exécutif qui bloque le dossier, mais c'est doyen tribunal qui bloque le dossier. Nous connaissons d'habitude Yodou et commissaire du gouvernement, c'est lui-même qui a exécutif dans le pouvoir judiciaire, c'est lui-même qui a mené politique publique et politique publique ou bien politique de répression crime, répression infraction. Ça exécutif l'a gagné comme politique dans question gérer délinquant dans question attaquer bandit etc. C'est commissaire du gouvernement qui a responsabilité faire toute action ça yo poursuivre monde poursuivre délinquant etc. Mais là pour mon doyen au tribunal mes amis qui question doyen pour la suivre à la lettre sa premier ministre dit pour la suivre à la lettre sa allié pouvoir dire pour la suivre à la lettre des séries de nègres qui participaient, qui impliquaient dans assassiner un président. Donc, ou bon doyen qui a fait tout l'exécutif là. Ou bon doyen, je dis là, qui se chef au tribunal, mais principal corrompu, c'est lui-même. C'est lui-même. Pour qui, ok, on prend exemple simple. Ou tendez, Odou et Gary Aurélien, il était sous le dossier Jovenel Moïse. Dossier corruption contre Gary Aurélien. CSPJ ouvrit enquête contre Gary Aurélien. Mais je dis là, Jodi qui compte enquête Gary Aurélien. Gary Aurélien était dans la République, il quitté Gary Aurélien échappé. Jodi on bosse pral gen lumière pral fait sous quantité l'argent, nèg yo gen manger, nèg yo gen gaspiller dans dossier Jovenel Moïse. Qui lumière pral fait sous lui? Qui lumière pral fait sous lui parce que tout le magouille, toutes les nèg yo fait maniguette yo, doyen était là. Doyen était là. Et c'est sûr, là on nèg vole, parce que c'est première fois le voler, c'est pas première fois le voler. C'est pas première fois le volet. Donc, on peut dire que doyen pas de jambes pas de soupçon sous Gary Aurélien. Doyen pas de CSPJ pas de jambes soupçon sous Gary Aurélien. Nèg yo quitté espace pour gagner corruption dans le dossier et on prend chaque juge qui prend l'une sous dossier Jovenel Moïse prend toujours un scandale de corruption, il a retiré et puis on l'autre prend venir, il prend retourner à la case départ. Il va retourner à la case départ. Parce que qui ça peut arriver? L'on juge pas le dossier, il parle de toute sa Gary Aurélien te fait. Il n'y a pas de bon pour qui ça? Parce que c'est corruption. C'est corruption, il y a moun nite rele, c'est corruption, il y a moun ni patre rele, c'est corruption. Donc, on va retourner à zéro. Donc, l'on retourne à zéro. Pour combien de temps d'instruction de dossier ça a parti là? Pour combien de temps enquête ça a parti là? C'est ça, oui. C'est véritable problème ça qui gagne. Oui, on est dans le pays avec le dossier Jovenel Moïse. Faut que nous prenions temps nous pour nous poser les bonnes questions. Faut que nous prenions temps nous pour nous identifier vraiment responsables. C'est pas seulement, je dis, on a parlé de délinquants, on a parlé de gangs, de bandits, etc. C'est pas seulement les gens qui sont dans la rue, qui village de Dieu, qui quoi des bouquets, etc., qui gang à vin. C'est pas seulement eux-mêmes, c'est pas seulement les petits bois, c'est pas seulement eux-mêmes qui gang. Nèg sa yo qui bien chaussé, qui gen belle souliers, belle cravate, etc. qui a squatté appareil judiciaire là, qui a squatté et administration publique là, qui n'a exécutif là, des séries de négouté ouais, qui était dans opposition sous Jovenel Moïse, je dis ouais, on a pouvoir. So what? Moi, je dans des SDP fait et conférence de presse, je t'appelle conférence de presse, etc. Vous attendez André Michel Kabdou et vous ne pouvez pas cohabiter avec PHTK encore. Pour qui ça? Parce que c'est PHTK qui vient stérilisé pays, qui bat les armes, etc. Il faut que PHTK retire le pouvoir. Mais en sérieux, PHTK, je dis André Michel a parlé de lui, c'est propre à lui. C'est propre à lui. Peut-être il fut un temps, 4 mois, 9 mois de cela, 4 ans, le Jovenel te fait monter sous pouvoir, etc. L'autre a parlé. Le peuple haïtien te cap au sérieux parce que vous n'avez pas compte qui dernier zèle cap qui te nan moun, mais je dis là, ou chita nèg sous même table, ou négocier poste, ou négocier ministère, ou négocier direction générale, ou négocier consulat, etc. Passeport diplomatique ou nan boudou, et puis je dis là, ou pral prétendre que pral bay conférence de presse pour dire population haïtienne nan, élection pas ka fait avec PHTK, élection pas ka fait avec PHTK, élection ka fait avec SDP. Élection qu'a faite avec fusion, avec vérité, avec unité, même nèg pouvoir ça yo, même allié PHTK ça yo. Donc je dis il garantie élection pas qu'a faite avec PHTK, mais qu'a faite avec SDP. Faut que nous conscients, nous arriver trop loin. Conscience c'est peuple haïtien qui pour prendre, qui pour influencer sous nèg, parce que si nous même nous pas conscients que c'est pour gâteau, c'est pour res gâteau SDP a bataille, c'est parce que ça André Michel joine là aujourd'hui li trop petit, li insuffisant. C'est pour ça nèg yo a bataille, c'est pour une question de pays vrai, c'est pour une question de PHTK passer ci passer là. Qui ça PHTK te fait dans pays an? Qui ça PHTK te fait dans pays an? Sinon qui te héritage corruption, qui te héritage gang? C'est ça qu'on fait. Donc, on peut dire qu'on va parler de André Michel, on va parler de Matéli, on va parler de Ariel, on va parler de Allié, etc. On peut dire que nous attendons des choses de positif. Mais qui ça nous attend? On a un groupe nèg qui sous pouvoir yo, un groupe nèg jodi a fait des faits cap couper raché, c'est même groupe nèg ça entendait qui participer n'a assassiné un président pour prendre pouvoir, pour gérer pouvoir. Donc, on va dire là, président pral joindre justice avec eux. Président pral joindre justice pendant le sous règne, pendant le sous pouvoir, pendant même qu'après prend décision, président pral joindre justice, la justice pral travail, la justice pral fonctionner. C'est jamais vrai, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai. Réalité nous tout well. Réalité c'est que jodi là, on a parlé de doyen tribunal première instance, on parler de Bernard Saint-Ville. L'on parlait de juge désigné sous dossier président Jovenel Moïse qui pointe sur le dossier. Faut qu'on dise tout, est-ce que de Nexayo, est-ce que c'est pas notre tintin, est-ce que c'est pas comme si, est-ce que même juge n'est pas rentré dans la diversion avec Negio? Parce que, bien entendu, mais on nous garde vraisemblance qui guerre. Ou c'est juge d'instruction, ou qu'on est. Qui ça la loi dit, mais comment pour renouveler mandat? 6 mois avant mandat fini, faut qu'on écrit pour dire renouveler mandat ou pas de faire. Sous pas de faire, et yo choisi semence, ou pas aucun intérêt pour accepter le dossier. Ou pas aucun intérêt pour accepter le dossier parce que sous juge ou là pour faire ou là pour appliquer la loi. Nous avons un parlement qui là pour faire loi, qui là pour veiller à ce que loi ou bien appliquée, etc. Ou bien exécutif là qui l'a, ou bien judiciaire là lui-même qui l'a pour appliquer la loi à la lettre. Même loi ça, pas quoi juge Merlan Bella te ranger col pour la violer là. Donc si nous pas l'ouvrir bouche, si nous pas parler, ouais juste ça qui sous dossier hein. On ouvre ouais quand on entend des bêtes dossier dou là, mais on dit passer à la prendre décision dou pas de problème, y a ba juge machine, y a ba juge et l'argent, y a ba juge et blindé, etc. y a ba le policier. C'est commencer avec magou là, c'est commencer avec corruption là. Vous comprenez pour qui ça? Parce que époque ou son faveur vinn faire juge. Le fait que vous pral ouais si juge Merlan Bella le 25 ans arrivé, il continuer autant de lundi qu'a venir l'autant de juge li doul commencer travail, nous mettre commencer battre chalbaré des juges. Parce que juge ça pral venir, il pral faire exactement ça yo mandel. Il pas faire exactement sa conscience guide l'autre, il pral faire exactement ça yo mandel parce que m'pa ta quoi mandat fini, m'pa ta quoi ou connaît exactement qui ça la loi dit, dans qui condition, dans qui circonstance pour le renouvellement d'un juge, pour qu'on y a pour ta rentrer dans jouet ça. Pour ta venir rentrer dans plaisanterie, dans blague de mauvais goût que exécutif là avec allié lui choisi faire un dossier assassinat président. Et son grande surprise, son grande surprise, l'oué malgré toute attaque qui fait direct sur Ariel Henry. Mal, là, on parle de attaque directe là. Là, où t'es gagné Bedford qui dou, avoir révoqué li dou, mais qui ça, mais combien fois Ariel parle avec, avec Badjo, mais qui quantité fois, mais qui joue, mais qui date, etc. Pendant li pral fait, pendant li pral rédiger, réquisitoire supplétif li pour le voyer, bah, gars, qui aurait lien, aurait révoqué. Ariel, pour lui-même, li prêt à tout. A mon gars de donnement ou Ariel yo d'accord là pour yo pral bay juge, yo pral bay Merlambe la l'argent demandé, yo pral même là yo pa bal 1 million goud là yo pral bal yon quantité suffisant là dedans, yo pral bal machine même yo pral bal policier, li mandon seconde résidence yo pral bal tout bagay ça yo et puis nous t'attend nous combat son bagay droit qui pral fait. Nous t'attend nous pendant mandat juge pral finir, c'est le ça yo balil nous t'attend nous bon bagay qui pral fait dans dossier en vrai. Mon cher, moi me dis nous ça. Moi-même, dis nous bagay l'argent lié. Donc là, c'est nous-mêmes qui pour prendre responsabilité, nous. C'est nous-mêmes qui pour dire, ah, où ça pas passer. Yo bon gars, yo relien. Qui fin fait si massi, qui fin fait capital li qui allait. Qu'on n'y a pas vin bon Merlambe la bla. Yo pas vin bon Merlambe la bla lorsque mandat t'a fini. Yo pas vin bon Merlambe la alors que li pas fait aucun processus. Li pas fait aucun processus pour li demander renouvellement mandat. Et pour ta ouais c'est juge qui finalement dou pendant mandat le finir par l'institut dossier. Ah, moi j'ai nous des problèmes. Et c'est là on va le comprendre. Jovenel Moïse yo touye, Jovenel Moïse yo assassiné, nèg yo pas seulement assassiné Jovenel Moïse, mais yo t'a battu. Yo créé toute façon aujourd'hui là pour yon faut perdre espoir dans justice là, pour yon faut perdre espoir dans juge qui n'a pouvoir là, pour yon faut perdre espoir dans décision juge Karen parce que des pour pouvoir judiciaire ou corruption, des pour pouvoir judiciaire ou malversation, des pour pouvoir judiciaire ou un paquet nèg qui paraît pour vendre conscience qui paraît moralité. Dans décision, dans choix de décision que autorité prend psychologiquement, yo anéanti pouvoir judiciaire là. Malgré tout de CSPJ a bataille pour pas gagner dépendance de l'exécutif, etc., etc. Mais malgré ça, qui ça, nous pas toujours même exécutif là mené au bout du nez. Regardez décision Ariel Henry. Ariel Henry il fin nommé juge et juge d'instruction qu'on y a, li doule pour l'attaquer cour de cassation. Puis gros instance, dernière instance, dernière voie de recours la cassation. Ariel ou pas président de la République, ou pas de grade, ou pas de qualité, ou pas de statut pour ça, et pour pral mettre juge dans la cour de cassation. Qui ça? CSPJ prend CSPJ à un certain moment de moi même pas rentrer dans cause d'Ariel Henry pour mal mettre juge dans la cour de cassation. Finalement, qui ça? Il pas prendre dans piège, il prend dans piège. Yo fait nèg yo douce, m'pa konn a qui ça, m'pa konn a qui si, mais yo fait même CSPJ yo douce pour qui ça parce que jodi ouais c'est CSPJ cap invité association magistrat nous gen anama qui gen en tête li et magistrat Jean-William Morin association nationale des magistrats haïtiens qui lui-même li refuse rentrer colle dans question mettre juge dans cour de cassation pour qui ça parce que nous là pour nous faire respecter la loi nous là pour nous appliquer la loi mais comment nous pral faire violer constitution qui c'est maman loi pays. Comment nous pral faire mettre nous d'accord avec Ariel Henry, premièrement, premier ministre de facto, un premier ministre qui gagne dans la cité dans l'assassinat en président, un premier ministre qui pas montre bonne volonté pour changer conditions vie moun, un premier ministre qui n'a cocordaille, qui n'a collé serré avec gang, avec bandit dans la République, que c'est bandit à veste, que c'est bandit à sapate, etc., etc. Et puis, pour pral ouest, c'est premier ministre qui pral choisir, qui pral solliciter CSPJ, qui pral demander qui juge et voyer les juges ba pour nommer dans cour de cassation nous t'a fait nous pas gete ouais qui ça nèg yo préparé là yo dou le cap vers les élections pas de problème faut gagne élection fait dans tout le pays c'est pas élection nèg prend pouvoir c'est pas c'est moun c'est peuple qui baille pouvoir à travers les élections mais jodi an là jeune nèg yo quitter insécurité a fin ravager pays jeune nèg yo fin quitter insécurité a fin implanter kounya au final ou même SDP, même nèg sa yo qui n'a pouvoir abdou comme ça élection pas ka fait Élection pas qu'à fait alors que gain sécurité, élection pas qu'à fait alors que PHTK gangsterise pays, contre PHTK est dans pouvoir. Contre représentant PHTK est dans pouvoir. Donc c'est nous-mêmes qui pour ouvrir genou, qui pour pas quitter quoi passer. C'est nous-mêmes qui pour connaître aujourd'hui là, si Merlan Bellab, si on te voulait Merlan Bellab instruit dossier Jovenel Moïse, 6 mois de cela, faut Merlan Bellab, faut mandat Merlan Bellab te gen temps renouvelé comme juge. C'est pas jodi pour nèg yo chercher faire dilatoire ça, faire diversion ça. Est-ce que nous comprenons la réalité? On nous prend petit pause mon regard, on a tourner après pour cette émission. Il y a deux produits qui sont des outils et des bannes. Chaque vini dans 3 phases, 3 étapes, 3 dosages. Chaque c'est pour 1 mois d'utilisation pour faire un traitement de 90 jours chaque. Dans des outils, c'est une pommade qui est faite à partir de 8 produits naturels. Il prend décalcifier corps carveneux, tissu spongieux pénislant pour augmenter l'élasticité tissu. Il a pour optimiser santé générale. Il est composé à partir de 13 plantes médicinales et but ultime, c'est fait organisme produit en pile hormone testostérone qui pral barou, ça relève libido. Il pral fait 120 pieds fluides pour permettre une meilleure circulation dans l'organisme pour qu'à joindre une érection plus ferme. Pour plus d'informations, relais dans 514 886 97 76 www.zesofmoringa.com. Je me dis annoncer dans le commencement de l'émission, la République dominicaine lui-même, il prend des décisions. Il prend des décisions par rapport avec un paquet de consuls dominicains là, qui viennent à Haïti, qui a fait corruption, qui n'a fraude, qui a vendu visa bien cher, alors que, yo même là, yo fixé prix visa, yo fixé prix visa touriste, yo fixé chaque prix visa selon la catégorie. Ah bien. Nous avons un sénateur Elias Pinassan, Ivan Lorenzo, qui lui-même qui pas caché frustration, qui pas caché colère, qui casse maintenant mais autorité, au paquet d'autorité et dominicaine qui ont même gens y a fait Haïti là, même gens paquet chef en Haïti a fait li. Depuis ont monté premier bagage là, yo cherché consulat pour mettre petits amis, yo ti ménage, yo ti bouboutio pour aller faire l'argent facile parce que nous connaissons comment question consulat gérer. En Haïti nous exemple là. Nous avons un scandale de corruption qui gagne dans plusieurs consulats. Consulat Miami avec Stéphane Gilles. Consul Stéphane Gilles, je dis là. Lina Colimateur, c'est CSCA. Il a regardé, il a fait enquête, il a enquêté. Puis, ouais, qui quantité l'argent, il détournait, qui quantité l'argent, il volait. L'argent passeport, l'argent extrait d'archives, etc. Moun vient demander dans le consulat. Et puis, nèg yo prend l'argent, yo détourne l'argent, yo. Donc, c'est normal. Malgré nous qu'on est en Haïti, de pousser à aller pouvoir, de pour gagner dans le pouvoir, c'est facile pour casser feuille couvrir ça. Mais en République dominicaine, là, nous gagnons des sénateurs, nous gagnons des élus dominicains qui ont même senti préoccupés. C'est pas une question de pouvoir, c'est pas une question de consul dominicain, mais c'est une question de corruption qui concernait la République dominicaine. Et s'il paraît beaucoup plus facile pour gérer ça le plus rapidement possible, li pi bon pour eux. Li pi bon pour eux. Et là, sénateur Ivan Lorenzo, lui-même, li dou que jodi an, yo pare pour prendre des décisions, parlement pare pour prendre des décisions en assemblée pour sanctionner des séries de monde qui impliquaient directement et indirectement. Et maintenant, c'est là nous pral suivre pour nous voir comment bagay ça pral fini, parce que les républiques dominicaines prennent décision, yo prend sanction contre consul, contre moun kap travaille dans consulat dominicain en Haïti. C'est pas seulement dominicain qui participe dans la corruption pour kol. C'est pas seulement dominicain qui participe dans faire fraude là pour kol. Li gen dirigeant haïtien avec tout. Li gen responsable avec tout parce que dans consulat c'est pas seulement dominicain qui travaille là-dedans. C'est pas seulement dominicain. Jodi an, est-ce que déjà gen enquête que ministère affaires étrangères dirigeant pour le dos, mais qui est-ce qui participe dans la corruption, mais qui est-ce qui t'a monté privé avec dominicain, etc. Est-ce que vous avez fait? Et au plus haut niveau du ministère des Affaires étrangères, est-ce que déjà Jean-Victor Généus, il range boîte, il range causel, s'il pas n'a causé corruption, tout s'il pas de proche n'a causé corruption ça, est-ce que nèg yo paré là pour un rapport qui équitable, un rapport qui équilibré, qui pas protéger un groupe, qui pas craser l'autre groupe. Et ça plus grave là, je dis là m'baille Jean-Victor Généus responsabilité parce que c'est lui-même qui est actuel et ministre des Affaires étrangères, mais bon dis nous en sérieux. Visa dominicain saute dans 150, il passe 200, il passe 250, 300, 400, 450, et sous gain urgence, extrême urgence, ou kabay jusqu'à $500 pour bon visa dominicain. C'est pas sous Ariel Henry, c'est pas seulement sous Jovenel Moïse, c'est pas sous Matéli. Balayogi bien longtemps a fait comme ça, président après président passé, gouvernement après gouvernement passé. Nous passons transition, dit comme ça. Et population pas jamais suspendue, pas jamais raté une occasion pour dénoncer. Moi, à plusieurs reprises, m'a regardé interview qui fait avec des séries de monde. L'homme yo vient dormir devant consulat yo pour grand matin pour 8h 7h pour yo gèt prendre devant pour yo joindre visa, pour yo joindre ticket etc. pour yo rentrer dans consulat acheter visa. C'est pas kounya moun yo a dénoncer ça. C'est pas kounya scandale ça nous connaît l'exister en Haïti, mais autorité tout nèg toujours choisi faire manger sou yo, kounya pas poser tête toute question. Est-ce que nèg ça monsieur dame ça cap travail ici ça yo, dominicain ça cap travail dans consulat yo. Sous qui pourcentage yo même yo participer dans fraude là, yo participer dans corruption parce que me pense gain responsable de pays au plus haut niveau qui yo même a bénéficié corruption parce que c'est pas $100 ni $200 ni $1000 à parler non, c'est des millions de dollars. C'est des millions de dollars pendant que chaque année on voit près de $11 millions by gouvernement dominicain by responsable dominicain yo. En Haïti là, on va compte qui quantité créée mais c'est près de $97 millions. Oui au total. L'argent ça li comptabilisé. Près de $97 millions, etc. Donc, comment on va le joindre? Les au fin voyer ti ça voyer, il y a des portes 70, 80 millions qui étaient là, nèg yo séparé entre eux. Nèg yo séparé entre eux, de pouvoir parler de millions. Nous pensons que c'est moun qui n'a consulat seulement qui bénéficier millions ça yo. Faut que yo ba un rapport, faut qu'on rapport détaillé qui bail. Mais qui moun, mais depuis qui leur corruption l'a faite, mais qui quantité président, mais qui quantité gouvernement, mais qui quantité ministre affaires étrangères, qui passe là-dedans, qui participe là-dedans, qui fait l'argent là-dedans. Et m'espérer le rapport ça sorti, leur enquête ça, yo ba résultat enquête là, m'espérer pour nèg ba vinn di c'est persécution politique. M'espérer pour nèg ba vinn di c'est magouille, c'est manigette qui a fait ces persécutions pour retirer parce que ouais au populaire fait bataille peuple parce que me connais gen nèg qui pral di ça. On connaît quelqu'un qui parle de ça parce que si vous sont fervent défenseur de la patrie, ou sont fervent défenseur et pour faire respecter droits haïtiens etc. Même pas ces petits détails ça est important. En tant que ministre, en tant que premier ministre, en tant que ministre affaires étrangères etc. Petit détail ça est important. Et là m'a parlé de millions de dollars et l'homme dit de petits détails c'est pour montrer que nèg lan ge bagay comme si vraiment yo te vle impliqué là dans yo te vle prendre décision là dedans c'est un petit détail yo t'a pris pour yo mais on parler de millions de dollars cap gagoté cap gaspiller a fait malheureux en vain c'est pas petit détail c'est là je te ka développer des domaines d'activité des champs d'activité en Haïti mais nèg yo profiter faire corruption yo profiter détourner l'argent ça au profit de qui est-ce? C'est la grande question, au profit de qui est-ce? Et c'est ça qui est extrêmement important. Oui, il faut que les sénateurs dominicains fassent pression sur l'autorité dominicaine. De manière à ce que les gens pour marier, sanctionner les pour sanctionner, et pas bon la caille nous. Le rapport ça sorti pour nous être qui décision pral prendre avec l'autorité par nous, avec les gens qui participent dans la corruption. Ça donc, c'est extrêmement important. Ça, c'est des dossiers pour nous suivre de près, de très près. Et m'ba nous garanti que ces dossiers juge instruction Merlambé là qui fait dilatoire là avec doyen avec l'autre acolyte Lio qui a fait blocage dans le dossier Jovenel Moïse que ces dossiers corruption en visa ça c'est des dossiers n'a suivre de très près et chaque update qui gagne chaque mise en jour qui gagne ou là on compte tout détail on prend toute information parce que c'est pour mon travail c'est dans l'intérêt m'a travail donc merci tout le monde. Bonsoir Yannick, bonsoir tout le monde, moi content là avec nous aujourd'hui. Encore pour porter rubrique espace international là, ces amis Maken Love Gloire Gens guerrier coordonnateur jeune acteur pour le changement qu'il a avec nous. Jeudi à nous pral parler de la guerre qui gagne en Ukraine avec la Russie. Nous connaissons déjà, nous parlons plusieurs fois sur question. Nous essayons de présenter scène internationale là, comment lui-même les surchauffer avec guerre ça, comment chaque jour il y a des updates qui a fait et également chaque jour il y a un pile question qui a posé. Il y a un pile question qui a posé. Combien cob guerre ça lui-même lui a coûté? Qui est ce monde qui a financé guerre ça et pour qui ça? Guerre les mêmes les fêtes parce que il en pile dans question ça que nous répondons déjà dans rubrique qui t'est passé mais je dis nous pral gen chance parler de déclaration ça que président Volodymyr Zelensky lui-même lui fait il parlait clairement que l'Ukraine qu'il a besoin 7 milliards de dollars par mois pour capable faire face ensemble avec guerre qui gagne actuellement pour supporter l'économie ukrainienne. Donc, l'engagé par rapport à tout ça qui a passé, nous avons essayé de parler ensemble avec nous déjà sur ça, nous avons montré nous que la guerre en soi, lui-même son bagage qui coûtait en pile. Ça veut dire, il faut qu'on gagne en pile corps pour capable rentrer dans la guerre. Et gagne pile firme multinationale, pile grosse institution, c'est ça même y a veillé. Qui côté qui gagne petit conflit, yo ka alimenter pour capable faire écouler produit, pour capable al faire beurre yo, pour capable faire cob dans guerre là. Ça veut dire gros industrie qui là qui a fourni, qui a préparé zam dans monde là, qui a préparé munitions, yo même yo gen objectif clair. Si yo fait zam non faut que capable jeune monde pour qui capable acheter le nom yo sinon investissement que a gagné lui-même il a perdu. Donc dans ce sens ça il y a toujours des gros coopérations avec plusieurs gros gouvernements qui permettent que les capable fournir matériel ensemble avec et munitions armes pour permettre que yo capable préparer pour toutefois ta va guerre et les guerre là même c'est pas parler parce qu'on connaît il y a utilisé en pile cartouche, en pile munitions, en pile matériel militaire côté que eux même ils pas une chance pour capable vendre et en quantité ça que gagne. Par rapport à la déclaration ça, c'est que gagne une négociation qui t'a essayé faite, ils ont fait en réunion et représentant FMI côté que ensemble avec surtout Banque mondiale dans Washington réunion ça t'est faite. Président Zelensky lui-même lui fait connaître qu'il a besoin de 7 milliards de dollars chaque mois et pour permettre que lui-même capable de faire face ensemble avec question perte économique que guerre là lui-même lui gagne sous territoire. Et malgré toute difficulté, le pays a lui-même lui continuer à faire face ensemble avec plusieurs obligations en matière d'aide sociale pour permettre que capable payer non seulement retraités mais aussi fonctionnaires l'État malgré guerre là il besoin continuer de fonctionner. Donc ça a coûté environ 7 milliards de dollars américains par mois pour capable mettre dans budget pour capable kembe et économie en l'air. C'est ça le premier ministre Denis Chimayal qui c'est assistant personne table monde qui était gagné dans FMI ensemble avec Banque mondiale qui était faite aux États-Unis Washington. FMI lui-même lui commencé à demander dons pour permettre que capable supporter et en quelque sorte l'Ukraine face à situation difficile qu'elle y a connaît et depuis pas mal du temps depuis les guerres lui-même les déclenchées. Et de même, il dit que, ok, il a gardé pour ouais 5 milliards de dollars par mois. Ça est perspective Zelensky. Mais eux même, il a gagné des propositions, il a gagné des alternatives que il a demandé coalition internationale pour capable continuer venir faire face ensemble avec poté mais pour faire face ensemble avec situation qui gagne. Donc et directrice générale FMI qui c'est Kristalina Georgieva lui-même lui réitère engagement le bon côté Ukraine et puis il a commandé et auprès de plusieurs gouvernements pour garder comment on capoter mais forte pour capable au moins faire face, parce que son système qui gagne, deux systèmes qui a gommé, c'est un système capitaliste qui oppose à un système communiste, malgré gros sanctions économiques, nous songez qui prend, soit pour, par l'Occident ou bien par les États-Unis spécialement, et institution Briton nous dit positionner autour, dans la question, l'Union européenne, la Russie toujours joue une façon pour qu'elle lui-même soit capable de contourner décision que l'Occident prend contre lui. Pas oublier, c'est pas un bagage qui là, son bagage qui a commencé, bien longtemps, c'est pas un bagage qui là, aujourd'hui. La Russie lui-même, bien avant même qu'il ait fait intégration, ou bien il était fait, il a déclenché guerre ça, il était commencé par même gens qui m'ont dit, expliqué nous déjà, dans temps, et dans vidéo qui est passée, dans l'autre émission que nous avons fait. Quand il y a une grosse question, en pile, mon a posé, c'est qui est-ce qui a profité de guerre ça? Son guerre bataille idéologique, son guerre géopolitique, économique, qui opposait plusieurs acteurs, yon face à l'autre. Il y a un peu de monde qui a posé cette question. Pour qui ça, la Chine, lui-même, lui gagne, et position ça. Même, nous-mêmes, nous t'ai parlé sur question déjà, mais ça pas un problème si nous retournons sur lui. Parce que si yon un monde, ou bien yon un pays qui vraiment a profité des guerres là, la Chine de Xi Jinping. Pour qui ça? Parce que, et lui-même, il commençait depuis un commencement conflit, il commençait à profiter de sanctions qui ont imposées avec la Russie, côté que lui-même, pour signer des contrats d'importation de gaz et russe venus en Europe. Donc, la Chine lui-même, il profitait, il commençait déjà à profiter des situations depuis 28 mars 2022, 28 mars qui se passait là. Donc, et la Chine, non seulement il y a une stratégie de route de la soie qu'il a menée, il y a target États-Unis en tant que puissance économique mondiale, il n'y a pas voulu qu'elle prenne une position claire dans la question pour permettre que il perdu et chance que il gagne devant lui pour que lui-même continue à concurrencer le marché américain. Et l'un considéré gros géant et technologie, gros géant, et qui gagne en termes de fabrication d'armes et munitions avec équipement militaire que la Chine lui-même lui positionne là actuellement. Donc, a dit, ou que les pays du Golfe, là, ça m'a parlé de Qatar, par exemple, qui a profité des oligarques russes qui m'ont dit pour venir investir la caillou. La Chine, ici, on a un gagnant qui gagne dans la question actuellement. Mais, est-ce qu'un Kakoui a dit la Russie lui-même lui sont gagnants? Nous pouvons là, dans la mesure où que nous pouvons arriver à atteindre l'objectif que lui-même était fixé, hein? Pour que, d'ailleurs, c'est une raison qui fait lui rentrer en Ukraine, c'est avec objectif pour qu'il est capable de dénazifier l'Ukraine, pour permettre qu'il est capable de craser toute base militaire que l'Ukraine gagne. Donc, c'est ça qui vient faire, il y a des coalitions qui viennent faire au niveau international. Il y a plusieurs pays qui proposent à l'Ukraine, qui a balikob, qui a recevoir réfugiés, qui a recevoir migrants et ukrainiens sous territoire par où. Pas oublier que dans même processus ça, la Russie lui-même, il entamé même processus ça, tout côté que il y a un pile ukrainien qui rentrait sous territoire par où. Même gens comme toujours dit, il faut nous garder bagarre avec un petit recul parce que il y a des médias qui présentaient, par exemple, et stratégie que la Russie a fait, c'est que les forcer pour Ukrainiens venir sous territoire par lui. Mais, nous connaissons tout. Il y a un pile ukrainien d'ailleurs qui est totalement pro-russe, qui était volontairement pour en position côté que était préféré entrer en Russie pour être capable d'éviter la guerre, pour éviter victime dans guerre qui déclarait. Bon, qui ça nous doit comprendre, c'est que son monde qui bouleversé, son monde géopolitique, c'est que monde qui gagne Kobio, c'est eux-mêmes qui a profité de guerre là, et puis Timalé, c'est eux-mêmes qui a toujours aptendre meilleur pour regarder qui ça qu'a fait. D'ailleurs, c'est une raison qui fait Volodymyr Zelensky lui-même, il connaît ça. Il continue à demander appui communauté internationale là pour regarder comment on peut mettre fin ensemble avec guerre. Merci parce que nous t'es là avec nous. C'était Marquis Love Glory Nzirik. T'es là avant. Bon rendez-vous. Y'en l'autre fois encore pour y'en l'autre rubrique. Bye bye. À la prochaine. Mes amis, tendez ça. Ou c'est haïtien ou remet pays et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Mon éditorial. Et puis sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sorti lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures de chez Chanel Paola pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Nous prenons le débat, c'est toujours même Yannick, l'homme même voix.